cas des dénominateurs non multiples. Ici, on voit que 7 et 5 ne sont pas dans la même table. Une façon de m'en sortir, c'est de multiplier 7 par 5 et 5 par 7. Ainsi, je suis sûr d'obtenir le même nombre. 7 fois 5 fait 35, tandis que 5 fois 7 fait 35 aussi. Évidemment, ici, je multiplie 7 aussi pour obtenir une fraction égale. Et ici, je multiplie par 5. J'effectue le calcul. 6 fois 5, 30 sur 35, plus 7 fois 4, 28, sur 7 fois 5, 35. Si j'additionne, ça fait 58 sur 35. 35 est divisible par 5 et par 7. Je l'ai vu ici, 58, ça ne marche pas par 5, et ça ne marche pas par 7 non plus. Voilà, c'est terminé.